celles qui sont du genre autoritaire, celles qui vous mènent par le bout du doigt, qui vous rappellent étrangement le primaire quand vous preniez des coups de règle sur les doigts. Ce sont elles qui décident tout pour vous, qui vont même jusqu'à faire votre prière. Vous répondez amen et puis c'est tout. La libération, c'est au cimetière. La vedette, la star, pour sembler pressées, elles arrivent en retard, prenant la pause à toute heure de la journée. Elles confondent une lumière avec un spot braqué. Elles jouent à la femme cruelle et blasée, se donnent bien entendu des airs de vampe, rêvent tous les jours des feux de mille rampes, trouvent que leurs maris sont des privilégiés. Qui jusqu'au matin vous colle à la peau et vous élèverait au rang de demi-dieu, simplement si on les y poussait un petit peu. Ce sont les soi-disant épouses modèles, les reines du tricot, du ménage et de la vaisselle. Pensant plus à elles, elles ne pensent qu'à vous et deviennent vos mères, vos nanas, vos nounous. L'amour en vison, qui jouent de leur corps comme d'une rente location, et disent mon amour en pensant mon capital, mais s'étonnent malgré tout qu'on les trouve vénales. Elles veulent toutes s'appeler Madame Fauchon, un sourire pour Van Cleef, un autre pour Vuitton, dosant leur amour en fonction du roi de l'art. Pour elles, la pauvreté, c'est la pire des tares. Jusqu'au bout de leurs bras, autrement couchés, on ne les voit pas. Dès qu'elles vous regardent, vous êtes déshabillés, et dans vos vêtements, vous êtes soudain bien engoncés. Le septième ciel, c'est pour elles dépassé. Elles vous disent, faudrait peut-être voir à évoluer. Plus d'orgasme mou, de figure imposée. Pour le paradis, faut tout réinventer. Quelle santé! Certains, pour qui nous sentons devenir tout chose, à qui on se livrerait corps et bien, pour s'entendre s'appeler mon petit cochon tout rose. Qu'elle soit autoritaire, on aime cela, et oui, prendre des coups de règle sur les doigts. Femme d'affaires, vedette ou nymphomane, peu importe alors, nous sommes tous vos fans. Tu repasseras.